les forces de l'ordre? Bon, je m'adresse à la gendarmerie nationale. Je sais que vous guettez tout ce que je fais sur YouTube et sur Facebook. Ça, je le sais. Je suis pas née d'hier. Et franchement, qu'est-ce que je peux m'éclater? Hey, même si vous m'avez restreint, soi-disant, vous savez, sur mon YouTube, vous m'avez restreint pour que tout le monde ne le voit pas, c'est pas un problème pour moi. Je me suis en train de me foutre de votre gueule, là, vous les forces de l'ordre, la gendarmerie nationale. Au fait, vous savez, quand vous demandez à vos amis de me téléphoner quand je suis en train de conduire, sachez une chose, c'est que quand je conduis, c'est pas moi qui réponds au téléphone. Je suis toujours accompagné de quelqu'un et la personne, elle met le haut-parleur et je parle. Et j'adore rigoler quand je dis aux gens, écoutez, je suis désolée de ne pas pouvoir vous parler parce que sinon je vais me faire arrêter par la gendarmerie nationale et ils vont mettre un PV. Alors vous voyez comment je m'amuse de vous? Parce que je sais très bien que vous essayez par tous les moyens de me coincer. Parce que vous avez une dent contre moi. Ben oui. Hier, j'étais devant mon avocat et je lui ai dit, c'est quand même bizarre, non, vous ne trouvez pas, maître, que les gendarmes qui m'ont tabassé là comme des pompiers, vous savez, les forces de l'ordre de Famec, ils ont été mutés parce que soi-disant qu'ils ont demandé leur mutation, mais c'est quand même bizarre qu'ils n'ont jamais été jugés par la justice. C'est comme... Les gradés de musculeux, c'est bizarre qu'ils n'ont jamais été jugés. Alors il m'a dit un truc qui m'a fait rire. Il m'a dit que j'aurais dû écrire au procureur. Je lui dis, mais j'ai écrit au procureur. Je lui dis, c'est bizarre, j'ai écrit au procureur. Alors il m'a dit, bah, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre dossier. Alors évidemment, j'ai eu le fils. On a bien rigolé. Il m'a dit, ben, soyez contente hein, quand même, hein, vous n'avez pas payé. Hein, ben, ils vous ont condamné, mais vous avez pas, ils n'ont pas demandé une grosse somme. Hein? Les forces de l'ordre, vous n'avez pas demandé une grosse somme. Le mec, il avait rien à l'œil. Il a cru qu'il allait se faire de l'argent. Vous savez, le recouvrement, vous pouvez toujours y compter que je vais vous payer. Je vous le dis d'avance. Je vous l'annonce, la couleur, les forces de l'ordre. Allez voir Darmanin, qui s'occupe aussi des forces de l'ordre, allez voir Macron et regardez l'article, vous savez l'article que Chirac a voté en 2003, vous savez l'article 5, il existe toujours quand vous insultez un enfant d'Harki et vous lui manquez de respect, ce qui vous arrive, ça n'a pas été appliqué, c'est pas grave. Ben moi, comme j'ai dit à mon avocat, quand le recouvrement, là, il me demande de l'argent, je lui dis article 40 et article 50. Vous connaissez l'article 40, article 50 que la justice n'a pas arrêté de me dire. Ben, je vous adresse article 50, article 40. Et la prochaine fois que vous essayez, vous savez, de me coincer en bagnole pour me foutre une contravention parce que vous croyez que c'est moi qui décroche mon téléphone quand je conduis. Sachez que sur mon permis, c'est l'adresse quand j'étais jeune, quand j'ai eu mon permis, c'est l'adresse d'Uckange. J'habite plus à Uckange. Ça fait des années que j'habite plus à Uckange. Même ma mère, elle a vendu son appartement à Uckange. Alors, vous savez quoi? Je vous conseille de bien réfléchir et demander à vos collègues où j'habite quand vous voulez me choper pour me mettre un PV. Hein? D'accord? Et sachez que la voiture, elle ne m'appartient pas non plus, elle appartient à ma fille. Alors, si vous avez l'intention de me flasher et de vouloir me mettre un PV état de conduite, soi-disant que je roule vite, je vous conseille de m'envoyer à moi le PV et je serai ravie, ravie de vous la payer. D'accord? Alors, un conseil, arrêtez de jouer bête. Un conseil, vous les forces de l'ordre, arrêtez de jouer bête parce que moi, j'en ai pas fini avec vous. De vous humilier sur les réseaux sociaux. L'affaire n'est pas terminée tant que vous ne serez pas jugé de ce que vous m'avez fait. Je l'ai dit à mon avocat. Alors, tous les magouilles que vous êtes en train de faire, là, toutes les histoires que vous essayez de remonter pour m'en foutre dans la gueule,
Moi, je vous réponds sur les réseaux sociaux. J'adore. Et j'adore jouer la dingue. C'est ma nouvelle passion. Bisous, hein. Les forces de l'ordre. N'oubliez pas, un coup de fil à Damania, vous lui dites que j'ai changé d'adresse. Que sur mon permis, c'est pas la bonne adresse. Bisous. Au revoir, hein. Bonne journée, hein. N'oubliez pas, on est samedi aujourd'hui. Il y a le marché.